Mettez une paille dans le drain de votre évier, vous allez vraiment être surpris de ce qui va en ressortir. Donc avant de faire ça, il va falloir quand même bricoler un petit peu la paille. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une paille classique, comme ça en plastique, et on va appuyer dessus tout du long pour un tout petit peu l'aplatir. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait ronde. Donc on appuie, et on ne va pas prendre ce côté-là, on va prendre le côté le plus long, où il n'y a pas ici la torsion. Ensuite, on va prendre des ciseaux, et on va faire des petites encoches. Alors je vais vous montrer exactement. Là, j'espère qu'on voit bien. Alors je vais le faire comme ça. Hop, et on va faire des petits triangles. Je sais pas si on le voit. Voilà. Et on va le faire de chaque côté. Donc là, je vais arriver ici. Mon petit triangle. Voilà. Donc je peux en faire 4 ou 5. Voilà. Là, j'en ai déjà pas mal. Et ce que je vais faire au bout, c'est que je ne vais pas le retirer totalement. Donc là, je vais laisser comme ça un petit peu ressortir. Vous voyez? Donc là, c'est parfait. Là, on est bon. On peut aller directement dans le drain. Donc je vais vous montrer dans le drain ici. Vous voyez, on va le ressortir et je vais mettre un coup la paille dedans. Donc faut pas la lâcher, attention. Et là, on va tout simplement tourner un petit peu et vous allez voir, voilà, il y a tous les cheveux qui vont ressortir. Donc ça vous évite d'enlever le siphon et en plus vous nettoyez le conduit tout seul. Vous voyez ça? Faites chez vous, vous allez voir, il y a beaucoup beaucoup de saleté qui va débarquer et au moins ça ira beaucoup mieux, ça évitera que ça se bouche.